Bon. Lui, il est mal en point, ça c'est sûr. Et moi, j'ai des framerates qui partent à la poubelle comme ça, avec la pluie. C'est incroyable. Ouh là là. Hop. Je profite, hein, attends. J'explore un peu. Ah, je peux l'allumer, ça? Ok, attends. Oula, on se calme, on se calme. Le tonnerre, on se calme. Attends. Oh, oh l'abattage. Au flingue. J'ai même pas cherché à comprendre. Boum, headshot. Ok, ça sert à rien. Attends. Les poules, c'est les méchants. C'est eux les chefs. Quel que soit le jeu, c'est eux les chefs. Faut les tuer en priorité. Attends, on va même rallumer sa torche. J'ai vu le sac là-bas. Pendant ce temps-là, Ross il est en train de crever, hein. Il crève sur place. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hop. C'est un grand garçon, il sait s'occuper de, lui-même tout seul. Hein. Ah, l'abattage en règle. Je l'ai eu. Je l'ai pas vu. Non, si, je l'ai eu. Non? Elle est où? Cette coquine? Elle se planque où? Ah. Non mais puis quoi encore? Elle a cru se barrer. Par contre, faudra penser à enlever les balles hein, avant de la bouffer. Hop. Sacré saut. Ouais d'accord, j'ai compris. On peut pas encore le faire pour l'instant. Et sauter par là, c'est pas aussi la bonne idée. Hein. On va attendre. Bon, les poules ont toutes été tuées. Ça va. Ah bon. Mon piolet n'est pas encore assez amélioré pour monter ça. C'est pas le moment de poser ce genre de questions, ma petite. Est-ce que je peux l'atteindre, ça? Waouh. C'est bon. Eh, par contre, chicourant. Enfin, chicourant, mais... La meuf, elle chope le truc à un bras. Hein. Avec la torche dans, l'autre. Si ça, c'est pas du respect... Je pouvais monter. Oh bah merde. After a fortnight, I was at last granted an audience with Her Majesty, Himiko of Yamatai. I must confess, she is unlike any woman I have ever encountered. Beautiful, yet inscrutable, calculating even. She surrounds herself with her priestesses of the sun. No men attend her, save the general of her armies. When I met with her alone, I came to realize that she is not at all what she seems. I was sent by my lord to spy on her, to assess the strength of her armies. But now, I feel she is the one assessing me. My lord has perhaps underestimated the threat of Yamatai. Though I cannot gauge the true strength of her storm god, I cannot deny a powerful feeling that the Sun Queen should not be trifled with. Alors, ambassadeur, premières impressions. Une sorte de parchemin ancien. Apparemment, il s'agit du récit de la visite d'un ambassadeur de la Chine impériale auprès de la Reine Solaire. Le mec a découvert sa sexualité la première fois qu'il l'a vue. C'est bon signe. Enfin, pour lui, c'était bon signe. Ah ah, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. This must have belonged to a US Marine. Were they on the island in force or just in advance? Do these marks represent friends lost or enemies killed? Either way, he needed a drink. Nous on a déjà la moitié. Dans les deux cas, c'est trop pour un seul homme. Non, la traduction c'est non. C'est pas ce qu'elle a dit. Là, par contre, la traduction était mauvaise. Elle a dit non, dans les deux cas, il avait vraiment besoin de boire un coup. Alors, cette île a été occupée ou était-ce des éclaireurs? Bon, on saura. Oh! Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? On a entendu une poule, hein? Mes oreilles me trompent pas. Rarement. Ma vue peut-être, mes oreilles non. Regarde-moi comment sa petite sœur elle se barre. Non mais je te jure. Bon, vous attendez pas à grand chose. Ça a un goût de poulet. Vous attendez pas à grand chose dans cet épisode, hein. On va faire que tuer des poulets, hein. Ah, c'est devenu ma passion. Eh, regarde. Tu vois, là, il y a de la place entre les deux maisons. Un KFC juste ici. Voilà, juste ici. On enlèvera la lanterne, là. Et on mettra le premier KFC du Yamatai. Hop. Attends, on monte. Regarde-le comment il me tease. Hop. Ok. L'épave de l'avion. Ça sent pas bon. Là, il n'y a rien pour l'instant. On prend ça. Ouh là 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 là. On peut passer en dessous ? Avec la température qu'il doit faire, moi je plonge dans l'eau comme si c'était une journée chaude du mois d'août. Je suis complètement con. J'ai pas trouvé... Non, attends. J'ai pas trouvé la carte de cet endroit? Ah non. Allez. Le saut. Ouf. Oula. Doucement. Doucement. Wow. C'était vachement localisé comme coup d'éclair ça. Genre en pile poil sur l'arbre. Pas à côté, pas à droite, pas à sa gauche, sur l'arbre. Non mais je te jure, hein, Zeus il va se calmer tout de suite. Ah sérieusement? Ah, par au-dessus maintenant. Ouh là 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 là. Ouh là là, allez. En une fois, en une fois, en une fois. Ouf. Franchement, quel plan cul foireux. Faites gaffe, hein. Ah. Oh, le piège. Attends. Juste 2 secondes. Hein? Oh. Ah bah Ross il va attendre. Ross il va pas attendre, il faut un piolet pour monter cette façade. Ah ça par contre je peux prendre. Bon on sait qu'il y a un truc là-bas. Ok. Oh, je peux descendre. Ok. Ah, il y a un truc aussi là-haut. Oh, il y a plein de trucs là-bas. Il y a un truc qui brille. Ok. Très bien, je tire à vue. Et au flingue. Sérieusement? Saloperie. Ah non. Moi je veux les tuer. Ok, ça c'est à moi. Ouh, le jumpscare. Ouais, attends. C'est des loups. Il y en a un qui est rentré par là. Non mais range pas ton arme. Ah! Ah, non. Le piolet. Ok. Ah non, mais saloperie de loup. Ok. Ah mais c'est bon. Mais crève. Voilà. Ouh. Saloperie. Ouais, dépêche-le. XP. Saloperie. Putain, vraiment dans les jeux je déteste les chiens, les canidés. Par contre dans la vraie vie qu'est-ce que j'adore les chiens, c'est incroyable. À part les petits chihuahuas, tu sais les petites merdes là. Ouais non tu sais tout ce qui est chihuahua et aussi ah non c'est quoi l'autre nom. Ah bon tu... tout ce qui est petit de toute façon. Tu sais de quoi je parle. Voilà. $30 d'XP pour le corbeau. Attends, il n'y a pas moyen d'avoir un peu de feu là? Il y a un truc à l'étage. Attends, ouais, en reparlant de chien, c'est un bon labrador. Pas un labrador. Avant, j'étais à fond sur les labradors quand j'étais gosse. Parce que tu vois, c'est fluffy, c'est orange, voire doré, tu vois, c'est marrant. Sauf qu'en grandissant, jusqu'à maintenant quoi, un bon berger allemand. Oh, tu sais, et fluffy, tu sais, genre bien poilu, avec les oreilles... Oh non, moi ça me fait craquer, moi ça. Moi c'est un truc... Genre quand il tourne la tête et que ses oreilles tombent sur son visage. Oh et genre on dirait un nounours. Oh là 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 là. Wow. Ouh là 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 là. C'est bon. On va descendre tranquillement. Au début, j'aimais pas aussi les... Enfin, si, j'aimais aussi les autres animaux. Enfin, les autres gros chiens. Et j'étais en mode, non, non, juste un berger allemand, tu vois. Alors que plus tard, petit à petit, encore, tu vois, j'étais en mode, non, non, mais au final, un beagle ou des trucs comme ça, c'est cool. Bon, d'abord s'occuper de Ross, et après, peut-être que j'aurai un chien. Quand même. On va te remettre sur pied. Ça par contre c'était drôle. Bouge la porte. How does a young lady like you learn to do a thing like that? Late shift at the 9 bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Ah, tu t'en occupes, j'espère. Laura, we need to send out that SOS, and I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you're going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. Just don't know it yet. Oh. Comment il me regarde? Well, that's happened my fast learner then. Just be careful, Laura. Bah mec, je vais escalader une tour radio qui a pas été entretenue depuis je sais pas combien de temps. Donc sois prudent. C'est un peu con de dire ça. Escalade. Bah c'est parti. Oh attends. Ah. J'aime bien, mais j'ai toujours aimé un truc avec Lara Croft, c'est qu'elle est pas conne, tu vois. Même si là, elle pourrait donner des théories et des, tu vois, faire des conjectures. Genre peut-être le Yamatai, puisqu'a priori c'est ça le truc. Enfin, tout tourne autour du Yamatai a priori. Mais tu vois, c'est pas genre ah quoi comme Ethan à la fin de Resident Evil 7 quand il trouve, quand il comprend que la vieille c'est Evelyn, tu vois. T'es en mode dude, réfléchis quoi. Ça c'est un truc que je trouve qui manque beaucoup dans les jeux vidéo actuels. C'est genre un personnage qui est capable de réfléchir par lui-même en fait. Attends, c'est pas ça que je voulais. Fouiller attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Voilà. Voilà. Maintenant on passe en chasseur. Et on améliore le flingue. Et bah voilà. Maintenant on a les dégâts maximum avec le flingue. Là ça va faire mal. Et on s'est... Ah voilà, on s'est mis un joli petit bandage. Autour du bras et pas autour de la taille. Lara et ses priorités. En plus ça doit être mouillé à ce fuck ce truc. Non mais vraiment. Ouf. Ah, ouf. C'est pas ce que je voulais faire, attends. En fait mi-chemin je me suis dit attends je vais allumer ma torche. Me dis pas qu'elle est éteinte. Oui, oui, j'ai compris, j'avais compris. Ça va. Je suis pas con aussi. Sérieusement. Ok, maintenant on peut y aller. Allez, c'est parti. Le nombre de crânes dans ce jeu, c'est incroyable. Ouh là là, la soirée BDSM qui a mal tourné. On les a oubliés. Attends, on peut passer par là? Ok, on peut passer par les deux sens. Ok. Oh, lui par contre il a pris un mal. Lui c'est. Il a pris son pied lui. Oh. Reste attaché là. Lui c'est un peu le masochiste extrême tu vois. Lui le plaisir ultime c'est de crever justement. Ouf. Tombeau d'Olympie. Ok, on va se reposer. Voilà. Je me repose au camp comme si c'était un Dark Souls quoi. Comme s'il fallait activer le feu. Elles étaient un peu grosses hein. Ah bah forcément ça fait tâche hein, dans les livres d'histoire. Ok, j'ai compris. Ah! Attends. Non! Il faut que j'arrive à choper le premier en fait. Si j'arrive à choper le premier, je peux monter très vite et réussir à sauter de l'autre côté. Ah mais c'est bon, le jeu qui me taunte. Ah voilà. Fou. Ou peut-être que c'était pas ça, hein, qui sait. Attends quoi. Ah. Ah. Attends, au cas où. Normalement, si j'ai bien compris, il y a la paroi là. Faut que j'arrive à sauter sur la partie supérieure cette fois-ci et après sauter sur ça. Sauf que le truc, il va descendre. Sauf que le truc, il va descendre. Ah! Fuck. Y'aurait pas moyen de foutre un truc dedans? Non, sans déconner. Fuck, c'est moche. Oh. Attends. Je suis trop... En fait, le truc, c'est que là, je suis trop lourd. Sauf que... Ah, je peux pas les cramer. Ah bah si. Ah bah si, si, si. En fait, je suis trop lourd avec tous ces cadavres. Sauf que si je suis tout seul, ça va forcément monter. Ah non, attends. Ah, voilà. J'ai failli flipper quand j'ai vu que ce... En fait, ouais, t'as vu, il est pas venu tout de suite, ce truc. Voilà. Non, c'est la prise. Ok. Bah voilà. Cerveau aussi gros qu'une planète, tout ça on connaît. Allez, monte. Ouf. La tête au bord d'une pique. Ouf. Ouais, enfin ils ont refait le sol avec des scapulas, hein, j'ai envie de te dire. C'est un peu... C'est métal, hein, mais c'est un peu violent. Oh, un vibromasseur, édition 2000, une édition limitée. Modification d'armes disponible. Comment ça, parce que j'ai assez de pièces ou... Hop. Allez, on se casse d'ici. Attends, comment ça, amélioration disponible? Oh, attends, j'ai un point. Chasseur, ah, je peux prendre celui-là directement. Capacité de munitions. En vous concentrant, vous disposez... Bon. Ça, il faut quoi? Costaud, votre force accrue vous permet de transporter... Attends, de mémoire, il y a un autre arme, il y a un autre arc. Un autre arc, je dirais il y a un autre, une autre catégorie que chasseur et survivant. Qui se débloque après. Bon, attends, on va prendre ça. Les modifs améliorent la cadence de tir. Mode rafale, je m'en fous. Hmm. J'ai envie de pouvoir flinguer comme ça quelqu'un d'un coup. Si j'ai pas assez de dégâts en fait. Voilà, le flingue, ça va être mon arme de prédilection. Donc autant qu'il soit utile. Bon. Au revoir, messieurs. Maintenez pour voir les emplacements des récompenses sur la carte. Oh, ça m'a donné la carte du tombeau. Ah bah pourquoi pas. Oh, c'est clairement au-dessus, ça. Allez. Ça m'a donné la carte. Attends, d'ici. Ça, c'est au-dessus. Ça, c'est au-dessus. Ça, c'est verrouillé. Verrouillé. Ça, c'est clairement au-dessus. Attends, ce que je veux voir en fait, c'est s'il y a un truc. Ah, ça c'est. Non, ça aussi c'est au-dessus. Ok. toute façon, je... Non, franchement, de toute façon, je viderai les lieux après. Allez, c'est parti. Hop. C'est quoi la musique? Hop. T'as franchement... Fuck. Bande de femmelettes. Moi j'attends pas que la tempête se calme pour faire ce que j'ai à faire. Il y a un mec là. Eh merde. Mauvais présage. Fuck! Il nous attendait. Continuez à parler, allez-y. J'écoute. Si. Non, mais... Allez, il est mort. Aïe! Je pensais que la lanterne le tuerait les deux. Oh fuck. Par contre, il y a un cadavre qui est tombé. Hein. Il en restait un. Il en restait un. Donc Matthias cherche une clé. Pourquoi pas? Si c'est ça son délire. I have spoken to some of the villagers on the island. I was expressly forbidden to leave the palace, but this did not stop me. My duties here are clear. I must learn the truth, but the stories I uncovered defy belief. Rumors abound of the Queen's communion with the spiritual world. They say she commands the sun and the rain, that her lands are abundant by her will alone. This is certainly nonsense. But what can be the cause of such whispers? Is this how she controls her people? By engaging their primitive superstitions? Ouais, tu dis ça, mais la Chine aussi, hein, pendant un moment. Yet, I also sense fear. Her people are treated with fairness, taxed reasonably, and are well protected by her storm god. No wonder some of them even pray to her. It's as if she were more than just a queen to them. Spreading discontent through her people may well be a harder task than I imagined. Le mec, il est en train de taguer les murs, genre ta reine c'est une pute, mais des trucs comme ça, mais ça marche pas. Attends quoi? L'ambassadeur chinois avait découvert un secret concernant le pouvoir de la reine solaire. Elle avait une sorte de contrôle surnaturel sur son peuple. Ouais, son respect, c'est incroyable, hein. Un truc que les politiciens d'aujourd'hui n'ont pas. Là-bas, c'est... C'est pas possible. Oh! D'accord, c'est des ressources. Il y a un truc sur le chemin? À part ça? Ah, c'est sur le toit. Ok. Attends. Oh! Malin! A kind of mortar and pestle, probably used for preparing medicinal herbs. There are small bone fragments in the mortar well. Ah bah non, c'est pas drôle sinon. C'est pas drôle, Lara. C'est vraiment pas drôle. Ok, donc ici c'est fait. Parce que attends, si je peux les prendre au passage, moi je vais pas m'en plaindre. Eux, c'est les prochains, j'imagine. C'est les prochains. Ok, bon, on continue. Hop. Fuck! Il faut ma torche. Ah, là-bas. Attends. Oh. Heureusement qu'il y a ce truc là juste à côté. Hein. Ah, parce que je déconne pas, je serais descendu tout en bas pour chercher du feu. Et voilà. Par contre, j'ai eu une géocache qui sortait de nulle part. Les géocaches sont pas indiqués? Ok, là c'est pour plus tard. Ouf, ouf. Ouf. Ah. Saute. Ouh là. Mais quelle aventure de merde. Lara, are you there? Reyes, did you find Sam? We're still on the trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay, I'll let you know when I find it. Ok, ça va être la merde. Ouh, il y a des barricades. Ouh là, il y a des barricades. Oh, ça me plaît pas. Oh, ça me plaît pas. Ah! Le feu! Le feu, ça brûle. Ah! Je suis nul! Fuck! Wow, mais c'est incroyable là! Crève! Non mais attends, mec! J'avoue, je suis pas fier de ma visée là. C'était pathétique. Plus que 2 balles. Ok, je prends ça. On avance tranquille. On avance. Oh, ça va, ma petite Lara, ça va. Moi, j'ai un mauvais pressentiment pour l'aventure entière. Un camion japonais. Ok. Ah bah ouais, en plus, tu montes. Plus tu montes, plus il va faire froid. Melanie Reyes, it's mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. This looks like it might be an electrical problem. Okay, quel génie. Oh, hello. Hey. Is this little fox, huh? Yeah, she's cute, huh? Yeah, it's Alicia. Alicia. It's my daughter. Oh. 14 years old. Ooh. And smarter than you'll ever be. Ooh. She must get that from her father. Don't give him the attention. Ooh. And, yeah. I'll take a look at this. Son père spirituel à lui, c'est Zachary 78. Ouh là là. From her father. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim, time to batten down the hatches. Aye, be right with you. So I was on the lock, right? And this thing comes looming at me. Looming out of the water it was. So I give it a old Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off. Ah oui, ça fait mal. I've not touched a drop since. See you at dinner, Sam. Ça fait très mal à l'autre, mais ça te fait mal à toi aussi, un coup de boule. Faut pas croire. À part si tu t'appelles Zidane. Ouh. Ouh. Putain, mais ça baisse dans tous les sens sur ce bateau, quoi. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, il va vomir. Cut! Bah oui, justement, c'est ce qu'on te demande de couper, mec. Putain. J'espère pas. Putain, le mec, c'est incroyable. Reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? Ah ouais, c'est sûr, c'est au cas où, quoi. We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, ah, il est beau comme Gordon Ramsay, il a raison. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that on one of your father's days. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Mm, that's what my father used to say. Now there was a man that ran on instinct, for better or worse. Au risque de déclencher une guerre mondiale. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? C'est marrant, t'as l'odeur de Reyes sur toi. C'est marrant ça. Son parfum. Je suis étonné qu'elle l'ait pas senti. Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. Ouais, attends, on reste au feu. Allez, camp de renforcer, voilà. On renforce. Et on s'assure d'être paré. This coin probably found its way into Japanese circulation sometime in the mid-19th century. Cool. Et je vais l'accrocher autour de mon cou comme toi. Et ça? Que 15? T'es sérieux? Parce que c'est à 4 pattes, c'est ça? Oh! Oula. Ok. Oulala là là. Genre d'un coup il a remonté. Où sont... C'est qu'ils sont nombreux en plus. C'est qu'ils sont nombreux. Alors, lui il bouge pas. Bon, on va essayer de faire de l'infiltration, c'est discrète cette fois-ci. Ok. Tu peux sortir de ce mode? Ah, d'accord, ça reste comme ça tant que je bouge pas. Oh, intéressant. Et on bourre carré. Allez. Lui, je le vois pas. Ok, il y en a un qui dort dans la voiture. Mais il est mort de sommeil, le pauvre. Faut voir qu'est-ce qu'il éclaire. Je veux juste voir qu'est-ce qu'il éclaire, lui. Fuck, je le vois pas en fait. Je vois pas qui est derrière le truc. Il voit les cadavres? Putain non, il est complètement aveugle. Ok. Discretos. On est discret comme les chacals. Enfin, pourquoi j'ai pensé à cet animal directement? On attend que ce truc bouge. Voilà. Ça soude fort là. Et voilà. Il faudra ressouder tes cervicales, mec. Ouh, ça bouge sévère là-haut. Quoi? Où ça? Il sait où je suis? Allez, boum! Et c'était le dernier. Ah non. Bon bah maintenant qu'ils savent que je suis là. Hein. Attends, on va pas être, on va arrêter d'être discret. Hein. On sort le flingue. Il est où? Chut. Ouh. contre, faut vraiment que je restabilise ma visée. Hein. Crève. Ouh là 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 là. Bon, j'ai un peu fucked up niveau visée, hein, je le cache pas. Ouais, j'ai débloqué des croquis. An Edo period coin minted in the late 17th century. It could have come from any number of old wrecks on this island. J'aime bien ce genre de pièces, comme si t'avais un trou dedans. Tu sais, comme si tu pouvais les mettre dans un... avec une ficelle. J'ai toujours trouvé ça cool pour ce genre de pièces. Or que nous, avec les centimes et les euros, tu peux pas faire un truc comme ça. Voilà. Voilà. Ouf. Ça, c'est à moi maintenant. Allez. This bunker. World War II era. Probably Japanese. Les gars, ils sont venus s'installer ici en pensant qu'ils pourraient tenir la position. Sauf qu'ils ont trop tard, sûrement avec la fin de la guerre, ils ont remarqué qu'ils pouvaient juste pas partir en fait. Et que le bunker, finalement, il servait à rien. Ouf. Et fuck. Ouais. On va essayer de sortir de là le plus vite possible, Lara. Sam. Ah. Pour le rituel. For better or worse, I now follow Father Matthias. If I'm going to be stuck on his island, at least I have the best possible job. He calls me his first Solari. Matthias might be insane, but he's smart and dangerous. He knows things about this island. I believe is our only chance of ever getting out of here. Matthias keeps us happy. We control the guns and the food. Anything the storm brings to this island is ours, and we decide the fate of any new survivors. Any who defy us are killed. We are masters of this fucked up prison. C'est la pire des prisons, ça. Alors, ce groupe que Matthias a formé, les Solaris, ils ont l'air de prisonniers, dangereux et avides de pouvoir. Pas d'échappatoire, avec la tour radio. Personne ne part. Bon, l'air vert du Joker, non merci. Ça va. Ok. Les rats qui s'enfuient. Les rats qui reviennent. Ils savent pas... Ok. Putain, ils sont gros ces saloperies. Mais pas aussi gros qu'à Marseille. C'était trop tentant. Surprise! Et crève, mec! Et à un moment... Pas comme si j'avais vidé presque un chargeur sur ton dos, quoi. Je pense que les headshots, ça reste un vrai headshot. Tu meurs quoi qu'il arrive. Oh. Empile les casiers aussi. Merci. Oh merde. Il me faut du feu. Ok. C'était intéressant comme concept. Me foncer dessus avec des armes au corps à corps alors que j'ai un flingue. Je vais y réfléchir avant de dormir cette nuit. Intéressant. J'aime l'engouement en tout cas. Il y avait de l'idée. Ouf. Ah mais... ça le prendra. Oupsie. Je me bats contre un rat et je perds. Putain, mais mets des feintes. Ouf. Et ça, tu l'as apprécié. Ça, tu l'as apprécié. Non, mais je te jure. Oula. Je peux pas approcher de ça. Et ici c'est fermé. Par contre ce que je peux faire, c'est faire exploser le tout. Ouf. Oh attends. Voilà. Attends quoi? Ah, me dis pas qu'il faut juste... Bah non. Ah non, d'accord. Je pouvais... Ok, non, non. Je suis con. Je pensais que je pouvais ne... Ouais. Je pensais qu'il fallait pas que je m'approche de la bonbonne, moi. Je crois qu'il y avait une fuite. Oh là, par contre, mec. Brûlure au premier degré. Oh, attends. Il y a un truc inflammable là. J'ai plus de... Oh merde. Ah c'est cool ça, merci. Un joli petit fusil d'assaut. Just kill me now. Peut-être déjà mort. Et je garde mes munitions. Bah tu vois, t'es mort. Personne ne part avec un avion. Oh merde. Ah, il y avait un truc. Despite loss of 2 cargo ships to intense storms, the expedition has made landfall. We've established a communication center high in the mountains, and coastal base construction has commenced. Initial surveys have revealed several possible excavation sites. The island is much larger than we originally anticipated, and layered with many centuries of history. The task of identifying the source of the storms will be long and arduous. But if we succeed in our mission here, our victory in this war will be certain. Projet secret, un compte rendu datant de la Seconde Guerre mondiale. L'Axe avait envoyé ses scientifiques ici pour étudier les tempêtes. Qu'ont-ils trouvé? Ah, j'imagine que s'ils pouvaient faire des armes à partir de ça, ils auraient pu changer le cours de la guerre. La fraternité... Wow! Non. Cours, 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 cours! Ah, j'ai une mitraillette! J'ai une mitraillette! Tu veux jouer à l'arc? Wow! J'aime pas. Je suis sens... mes yeux sont sensibles à la lumière. Je déconne même pas en plus. Ah, les corps, ils restent. C'est pas mal, ça. Je me rappelle maintenant que dans la version PS3, vu que... Bah, ressources, tu vois, les ressources... les corps disparaissaient. Donc là, s'ils restent, c'est-à-dire que je peux les tuer. Embrasser les flammes. C'est-à-dire que je peux les tuer et faire le ménage après. C'est cool. Solaris. Oh putain, ouais, Solaris. On va tuer Chappe. Putain, je viens de tilter. Et ça, c'était Narcus. Toujours en retard à la fête. Je te jure. Il y a un truc qui a brillé là-bas. Ou alors c'est un truc justement électrique qui a pété. Attends, on va vérifier ça tout de suite. Ah non, c'est vraiment... Oh putain. Voilà. Quoi, ça veut dire quoi? Ok, allez. On va... Ce que je vais faire là, c'est... C'est péter, aller rebrûler les drapeaux. Comme ça, j'aurais déjà... J'aurais pu le refaire. Hop. Ça c'est fait. Non, lui je l'avais cramé justement. Ça c'est la porte par laquelle je suis arrivé. Et le dernier juste en face. Bah voilà. Boum. J'imagine que le dernier ça doit être un truc en haut sur les murs. Ça a compté les jours. Bon. Je peux monter à l'étage? Non, j'imagine que non. Non, allez, go. Allez, on pète ça. Voilà. Putain, il dessine même sur le sol maintenant. Ah bah voilà le dernier. Voilà. Aïe. Alex, are you there? Yeah. The console's a wreck. Damn it. Well, unless you see a Radio Shack around, you're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay. That sounds simple enough. No. C'est tout en haut. You're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Climbing again. Great. Ouh. Là, ça va commencer à faire beaucoup là. Ah. Rat de bibliothèque. The rest of them are dead. This is for the best. 82. I watched from the cliffs as their makeshift boat was tossed and turned by the storms. The clouds looked like a hand upon the water, desperately clawing at their doomed boat. None survived the wrath of the storm. I observed it carefully. The storm was localized and sudden. And just as suddenly, it was gone. And this is the most interesting detail. It didn't seem random. I sensed emotion, something deliberate. I don't know what's happening on this island, not yet. But if I ever hope to escape, I must understand this phenomenon. Now my real work begins. Ouais, ton vrai travail. Matthias a sacrifié ses compagnons pour en apprendre plus sur l'île. Quel genre d'homme peut faire une chose pareille? Quelqu'un qui veut survivre. Comme toi qui as déjà tué beaucoup d'hommes juste pour arriver jusqu'ici, ma petite Lara. Mais pourtant, je te kiffe toujours autant. Sacrifice. Ah, le sacrifice, c'est par là. Ah ouais, les flèches. Bah ok, hein. Pourquoi pas? Eh, franchement. Ça a l'air d'être un endroit cool, les endroits avec des sacrifices.